Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, le thème, ça sera donc le rapport que Zike établissait par rapport à la croyance, la religion et Dieu. Ce sont trois sujets qui sont disparates, mais qui s'interpénètrent énormément et qui vont vous permettre de nettement mieux comprendre Zike. Sachez donc que Zike, la prime enfance de Zike s'est passée donc au Maroc. De 49 à 56, Zike était donc au Maroc. À la suite de ça, Maroc, pays musulman, bien sûr, avec, comment dire, avec des chrétiens, des juifs, et voilà. Et le fait est qu'à un moment donné, donc Zike va en France, et de là, une autre partie de son enfance se passe en France, pays donc à majorité catholique. Approche complètement différente, approche culturelle et mentale complètement différente par rapport à la foi. Donc, dans Sahara, l'une des premières approches qu'il a par rapport à cette fameuse, à la croyance, par rapport à la religion et par rapport à la foi. Il se retrouve donc avec, comme à l'accoutumée, avec un marginal. De mémoire, il s'appelle Miguel et jouait du clairon. Et donc, cet homme un petit peu, si je puis dire, fou sur les bords, au prime abord, Zike a voulu l'aider pour qu'il apprenne à se débrouiller par lui-même. Il s'avère que Miguel, si j'ai bien compris, n'était pas extrêmement productif. Il s'avère que le profil des gens qu'affectionne Zike dans ses aventures, ce sont des êtres productifs qu'il va pouvoir conditionner pour faire en sorte que le succès et le grandiose arrivent d'autant plus rapidement. Voilà le profil d'homme qu'il apprécie. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que le succès et le grandiose arrivent d'autant plus rapidement, Zike fait en sorte que ces hommes ne réfléchissent plus, donc qu'ils soient, si je puis dire, dans la croyance des propos et des propos qu'il a, enfin, des décisions qu'il prend. Petite chose, je vais vous lire donc un petit texte qui va vous permettre d'autant mieux voir, qui va consolider mes propos, qui va vous permettre de mieux comprendre le texte. Ceux qui ne commandaient pas ne vivaient pas les conséquences de leurs actions. Pardon, excusez-moi. Ceux qui nous commandent ne vivent pas les conséquences de leurs actions. Eh bien, à contrario, Zike commandait, mais il était dans l'action. L'homme est un être d'action. Ce que nous, en le lisant, nous appelons aventure, lui, c'est de l'action. Et ça fait toute la différence. Il faut intégrer cette chose. Le croyant, si je puis dire, a foi dans la personne qui lui fait. Et encore, celui qui a la foi, qui est en lui, croit dans la personne qui lui fait face. Zike, les premiers temps, était encore plus ou moins dans la croyance, car il se cherchait, comment dire, il apprenait à survivre. Les premiers temps de sa vie, de sa vie entre guillemets d'homme d'action, d'homme d'aventure, d'aventurier, si vous préférez. En tout cas, pour vous, aventurier, pour lui, pour sa vie d'homme d'action. Donc, il a appris à survivre, à se protéger pour pouvoir survivre les premiers temps. Et donc, si vous voulez, il y a eu certaines fois, si je puis dire, des espèces d'approches de phénomènes de croyance. Et encore. Là, il a aidé le fameux Miguel à se débrouiller un tant soit peu pour qu'il puisse, entre guillemets, voler de ses propres ailes. D'une. De deux. Il a fait la rencontre, toujours dans Sahara, d'un prêtre, bref, avec les voyous avec qui il était, qui ont agi de façon assez dégueulasse, en plein désert, soit dit en passant, ces messieurs ont pris la croix du prêtre, le chapelet, et ont chié par terre et ont planté le chapelet dedans, et ont laissé le prêtre sur place. Attitude dégoûtante, mais pour vous montrer que le Dieu en question vers lequel se tournait ce prêtre n'est pas venu lui éviter cet affront et cette difficulté. Petit aparté qui vaut ce qui vaut, mais je ne fais qu'un constat. Je porte certains jugements en développant, mais c'est pour pouvoir étayer d'autant mieux
perception que j'ai d'Zike et peut-être la vision qu'il avait. Et donc, voyant cela, ces hommes qui croient ne commandent pas. Donc, c'est pour ça que la croyance, il l'a laissée de côté. Car c'est lui qui voulait diriger, comme c'était un être d'action. Et pour reprendre l'adage, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant, il l'a fait en sorte de pouvoir commander à sa nature, et à la suite de ça, faire en sorte que les autres suivent derrière. Ne négligez pas une chose qui est fondamentale par rapport à ce qu'il était, dysenterie, malaria, bon, nombre de maladies qu'il était susceptible d'attraper de par les nombreux pays qu'il a fait. Font qu'il devait trouver le ressort pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir, entre guillemets, faire la différence. Et donc, nous ne sommes pas dans le registre de la croyance à mes yeux, mais de l'action concrète. Vous pouvez faire une action dans la croyance si vous êtes, entre guillemets, si vous ne réfléchissez pas par vous-même. Zike est un être qui réfléchit par lui-même. Donc, il n'est pas dans, comment dire, on ne lui dit pas quoi faire. Il sait quoi faire. J'ai bien dit savoir et non comprendre. La force de cet homme, vous le verrez, et vous, ou peut-être que vous l'avez perçu, ou déjà vu, ou compris, c'est qu'il ne comprend pas forcément, mais il sait. L'action est son ressort, l'action est ce qu'il fait bouger. Quand il est en manque de produits, c'est un manque, ça agit sur lui, donc ça le force à agir. Donc, chose pierre angulaire de la compréhension, si je puis dire, de sa croyance, entre guillemets, en tout cas de son rapport à la croyance, c'est l'action. Maintenant, on passe à l'aspect religieux. La religion est fonction de l'endroit dans lequel vous êtes. Avoir une approche religieuse, si je puis dire catholique, dans un pays, en France, est plus ou moins normal. Avoir une approche, si je puis dire, intégriste dans un pays tel que le Qatar est plus ou moins normal. Conditions climatiques différentes qui amènent des comportements différents, qui amènent des comportements et donc des actions différentes sur son propre développement, sur l'environnement, et voilà. Et qui permettent donc de survivre, voire de vivre, dans le cadre dans lequel vous êtes. Et là, cet homme d'action le comprend. Donc l'aspect religieux, il ne l'utilise que, comment dire, comme il est toujours dans l'action, à faire les choses. Il prend en compte ces choses-là. Dans Sahara, vous avez un passage où il y a plus ou moins une espèce de comment vous dire, de début d'altercation entre les Bambara et les Peuls, parce qu'il ne peut pas les mettre dans les mêmes camions sous peine qu'ils s'entretuent à cause d'histoires antérieures à ces messieurs. Ces messieurs connaissent les Bambara, se connaissent entre eux, Bambara, Peuls et autres, ils savent qui ils sont. Mais la problématique, c'est derrière eux, ce n'est pas de leur fait. Donc si vous voulez, ces gens qui sont régis par des croyances, par une culture, font qu'ils ont réussi à se mettre sur la gueule durant un des bivouacs. Petit aparté qui vous permet de comprendre que la croyance de ces messieurs est tellement, comment dire, elle les imprègne tellement qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur nature. Ils ne peuvent pas commander. Ils ne sont que soumis à leur nature. Et la grande force de Zike, c'est qu'il a été en mesure de commander la nature. Pour vous résumer la chose, dans Sahara, il connaissait les vertus d'un médicament qui était un antitussif de mémoire, qui, lorsqu'il était pris à haute dose, faisait office d'amphétamine. Donc ça enlevait la fatigue. On ne commandait la nature qu'en lui obéissant. Donc il n'était pas dans la croyance, il était entre guillemets dans l'action, à chaque fois, pour pouvoir commander. Donc, dans ça, il y avait ça, et
Donc voilà, et maintenant, je vais vous parler aussi maintenant de parodie. Dans parodie, vous avez un passage qui est extrêmement intéressant, où il a des copains qui sont dans une espèce de secte un petit peu New Age, où ils doivent se laver à l'eau froide, manger des graines, ne pas avoir de sexualité. Et là donc, quand il a vu que ces messieurs arrivaient par le biais de la, entre guillemets, des ouailles qu'ils avaient arrivé à avoir, de l'argent, il s'est dit que puisque la somme est conséquente et qu'ils se contentent de manger des graines, je vais leur prendre tout ce qu'il y a, en tout cas, tout ce qu'il y a dans la. Je vais prendre tout ce qui, pardonnez-moi, l'aumône qu'on leur faisait, on leur donnait des pièces en tout genre, pour des pièces, des billets pour pouvoir faire en sorte que la communauté vive. Je vais prendre tout votre argent et votre croyance suffira amplement, puisque l'argent n'est pas un problème pour manger des graines. Moi, j'ai pas envie d'autre chose. Donc, il a pris la, il a pris donc la caisse dans laquelle il y avait rempli, qui était remplie d'argent, et s'est barré avec. Le rapport à la religion, à la croyance de cet homme était pour lui, comment dire, quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. La raison est très simple. Entre un plaisir immédiat et un plaisir éventuel, c'était toujours le plaisir immédiat qui prenait cours, qui prenait en compte. Ne connaissant pas l'avenir, mais voyant que le plaisir est là sur le moment, c'est sur ce moment qu'il prenait le plaisir. Donc la croyance à mettre de côté, à proscrire à cause de ça. Pourquoi? Parce que il était constamment dans la survie. On n'est pas face à un homme qui, nous ne sommes pas face à un homme qui, comment dire, pour en revenir au circuit de la récompense. Pardonnez-moi, je pense ne pas vous perdre. Alors, la volonté. La volonté, la récompense, la mémoire et zut, j'ai oublié le quatrième, bref. Ouh, misère, pardonnez-moi. Bref, dans le circuit de la récompense, le circuit de la récompense de Zicky était, de par le fait qu'il était addict, il a été, il s'est mis dans une pathologie. Donc il n'y avait que la récompense et la mémoire. Ah, pardon. Le contrôle, pardonnez-moi. Donc si vous voulez. Le contrôle, la récompense, la volonté et la mémoire. Et donc, compte tenu du fait que il avait cette pathologie, cette addiction, il fallait pouvoir, comment dire, il fallait pouvoir, entre guillemets, subvenir à cette addiction. D'où le fait que le plaisir immédiat, oui, le plaisir différé, oui et non. Car si vous voulez, compte tenu du fait qu'il était, c'était un adepte du succès du grandiose, les gens voyaient tout ce qu'il dépensait, les gens voyaient le faste qu'il générait, et donc les gens suivaient. Pourquoi? Car les gens, si vous voulez, de par le fait qu'ils sont, pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas dans la pathologie, donc en amont, qui par rapport à leur vie de tous les jours contrôlent, ont une volonté, apprécient la récompense et, entre guillemets, gardent en mémoire ce qu'il en est, fait que les gens le suivent, parce que cet homme était dans le faste, très rapidement. Et donc, cet homme qui les sortait momentanément de leurs conditions était intéressant à écouter, voire même intéressant à suivre. Et force est de constater que il utilisait, si je puis dire, pas le phénomène de croyance. Il faut intégrer cette chose qui est nécessaire, qui est fondamentale. La présentation, la représentation. En un mot, l'habit fait le moine. Bien habillé, j'en passe, le faste. Des gens qui vous précèdent pour annoncer votre venue. C'est ce qu'il faisait de temps à autre pour faire en sorte de se donner une aura, une espèce de prestance. Font que les gens l'ont suivi. Maintenant, nous allons parler de son rapport à Dieu. Vous avez d'en haut donc un passage où
il explique, bref, il était à l'article, pas l'article de la mort, mais limite. 26 kilos de perdu de mémoire en 3, non, 4 semaines. Sachant qu'il pesait 90 au départ. Il réussit à s'en sortir, mais comme il est extrêmement défoncé, ça lui a permis de tenir. Et rendez-vous compte, avec ses 26 kilos de perdu, il a encore la réactivité suffisante et l'agressivité suffisante pour lancer un saut de pisse sur un... Comment dire, pour essayer de frapper quelqu'un. Donc le mec était vraiment complètement dans la défense, et c'est une réactivité qui est tout à fait normale pour un défoncé. Bref. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le prêtre religieux qui croit, bref, est venu vouloir asseoir une autorité sur lui, en lui expliquant « tu dois recommander ton âme ». Et là, le type lui explique « non, moi je recommande rien du tout ». Je fais les choses. On ne me recommande rien. Moi, je fais. Et ça a été, si je puis dire, incessant dans sa vie. On ne lui dicte pas, il fait. Et résultat, c'est pour ça que son rapport à Dieu, si je puis dire, est, je dirais pas biaisé, mais absolument normal. Ceux qui ne commandaient pas ne vivaient pas les conséquences de leurs actions. En un mot, ce prêtre lui explique que dans l'au-delà, il y aura quelque chose qui l'attendait, patati patata. Et lui dit non. Non. Là, pour l'instant, c'est moi qui vais agir. Et c'est la raison qui fait que c'était impossible pour cet homme de croire en Dieu. Impossible. L'éducation qu'il a vécue depuis sa plus tendre enfance l'amène à ne pas pouvoir croire en Dieu. Nous sommes face à un être d'intelligence. En un mot, pour moi, vous avez quatre stades qui, à peu de choses près, permettent de d'autant mieux comprendre l'homme. La logique, le raisonnement, l'intelligence, entre guillemets, et le génie. La logique, de bras, de jambes, une tête, une culture. Il y a un moment donné où vous commencez à raisonner, donc à vous départir, si je puis dire, de votre culture par rapport au lieu dans lequel vous êtes. Donc vous allez raisonner pour être en bonne intelligence avec ce qui vous environne, par rapport à votre... à vos desiderata, par rapport au fait que soit vous souhaitez être un exploiteur, soit un exploité. Donc là, on parle de vouloir réfléchir par soi-même. Réfléchir par soi-même, et entre guillemets, quand on réfléchit par soi-même, on est généralement quelqu'un qui exploite. On n'est pas un exploité. Et à la suite de ça, vient une personne, une espèce de transition, voire limite de transgression, pour ceux qui veulent atteindre le génie. Le génie fait que, sur une période courte, moyenne ou long-termiste, le génie peut opérer. Mais le fait est que, si c'est repris par d'autres, et que ça peut, entre guillemets, faire souche, une souche qualitative, j'entends bien, une souche qui, où tout le monde est bénéficiaire, quelle que soit la condition, on rentre dans le génie. On peut rentrer dans le génie. Je vais faire une digression qui va vous permettre de comprendre ce qu'est le génie et plus ou moins la problématique du génie. Il y a eu un Français, de mémoire en 1800, si je ne me trompe guère, qui s'est rendu compte que les femmes dans des hôpitaux, dans différents bâtiments d'hôpitaux n'avaient pas la même espérance de vie. Et il a constaté que dans certains bâtiments, les médecins se lavaient les mains, et dans d'autres, les autres ne se lavaient pas les mains. Cet homme, avec juste ce détail qui fait l'angle, a changé la donne au niveau de la natalité dans le pays. Car maintenant, les médecins se lavaient les mains pour pouvoir, entre guillemets, donner naissance aux enfants. Et ce détail anodin, qui fait que cet homme est passé pour
l'imbécile ou un fou, fait qu'aujourd'hui, nous sommes d'autant plus nombreux sur la planète, grâce à ce détail. Et force est de constater que ça a l'air d'être intelligent, mais certains pourraient vous dire que pour pouvoir le percevoir à l'époque, il fallait être génial. Et je pense que l'homme n'était pas loin de ça. Digression fermée. Et donc, pour en revenir à Zike, c'est à peu de choses près la même chose. Le détail qui fait l'angle est fonction de l'action, de l'observation, de la théorie et de l'expérimentation. Mais dans le cas de Zike, on n'est plus dans le cadre de l'expérimentation, on est dans le cadre de l'application. Et donc, c'est pour ça qu'il était, si je puis dire, génial et qu'il était impossible qu'il soit dans la, dans la croyance ou l'aspect religieux. La croyance est extérieure à soi, la foi est là. La raison pour laquelle il a persévéré dans ce pays, c'est qu'il voyait des gens être dans la misère, être capables de travailler tous les jours et donc de vivre tous les jours en fonction de la misère. Quand vous faites le prorata, qu'avec un travail organisé, la misère, vous pouvez y mettre fin, c'est ce que lui voyait. C'est ce que les autres ne voyaient pas. C'est sa très grande force qui fait que c'était, je pense, un génie dans son domaine, un génie dans l'action. Vous avez des génies qui sont dans l'observation, dans l'aspect théorique et dans l'aspect expérimental. Là, nous sommes face à un génie dans l'art de la pratique. Et c'est extrêmement intéressant parce que, si vous voulez, ce n'est pas une instantanéité, ce sont différentes étapes qu'il passe avant que de pouvoir, si je puis dire, accentuer la chose. Pour résumer la chose, première perception géniale qu'il a eue. Quand il était les premiers temps arrivé donc à Hausa et qu'il est allé dans les troquets pour glaner des informations, il a constaté toute la nuit l'or qui était mis sur la table pour payer les consommations. Différentes personnes travaillent pour très peu, en tout cas pour le peu d'or qu'ils ont, qui est beaucoup par rapport à leur travail, mais très peu. Ce qui fait qu'il a réussi à concentrer. Il s'est rendu compte qu'il y a une concentration d'or énorme dans ce lieu. Et il s'est dit que si ces gens-là travaillaient pour lui, tout cet or serait, en tout cas tous les avantages liés à cet or seraient pour lui. Le succès est grandiose. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est mis en action pour pouvoir faire en sorte de trouver le moyen d'exploiter cet or. Et je dirais que c'est pour ça qu'il ne peut pas croire dans Dieu et qu'il ne croit qu'en une seule chose, l'action. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant, en un mot. Être un être d'action pour savoir ce qu'il en est. Voilà pour quelle raison Zike ne pouvait pas croire en Dieu ou d'autres choses. Et c'est l'une des raisons à mes yeux pour lesquelles il a réussi son aventure. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur le phénomène de croyance chez cet homme. À bientôt !